throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Salut tout le monde, c'est Léonthologie pour une nouvelle vidéo les gars, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle série qui s'appelle Duel des Champions. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière sur ma chaîne, j'avais fait déjà 3 épisodes de cette série. Donc cette série, ce sera un duel entre deux joueurs. Par exemple aujourd'hui ce sera Cuadrado face à Douglas Costa. Donc c'est quoi le but? C'est qu'en fait les deux joueurs auront une équipe séparée. Donc par exemple dans une équipe il y aura Cuadrado capitaine avec les joueurs autour avec lui et Costa capitaine avec les joueurs autour avec lui. Donc pour l'instant ça va. En fait le but c'est qu'on va faire 2 matchs avec chaque joueur et on va faire comme si ils étaient en multiplex. On va faire le premier match de Douglas Costa avec le premier match de Cuadrado. Ces deux matchs on le fera en multiplex. Donc comme si c'était la Ligue 1, voilà. Hein. Et en fait le but de cette série c'est en fait tout simplement revoir quel joueur est le plus décisif en faisant les passes D, le nombre de buts et aussi la note de match à chaque fois. Donc voilà, ça, je pense que ça va être une bonne série à faire, ça va durer sur le long terme. Je pense que je vais faire avec des joueurs 4 étoiles et des joueurs 5 étoiles pour en dessous parce que sinon on peut pas skiller, donc c'est pas très intéressant. Il y aura toujours un 5 étoiles contre un 5 étoiles et un 4 étoiles contre un 4 étoiles. Donc les joueurs vont évoluer à chaque fois à peu près au même poste. Donc je pense que ça va être une bonne série sur ma chaîne. Donc ça fera une série en plus parce que le retour Neymar est terminé. Même si je vais faire une série autour de Neymar mais un petit peu plus tard sur la chaîne. Donc les gars on va passer tout de suite à la vidéo. Donc les gars on est parti maintenant pour présenter les équipes de chaque joueur. Donc là c'est l'équipe de Cuadrado qui est entourée avec du Van Persie, du Nani, du Raúl Meireles, du Guarín, Kedira, Montoya, Juan Jesús, Simon Kerr, Erkin et Neto. Et celle du Douglas Costa. Allez avec Marchetti, Rafinha, Mauricio, De Vrij, Suarez, Cabaye, Mike Steven, Thiago, Alcantara, Douglas Costa, Sisti et Bolasi. Donc voilà les gars, je pensais être vraiment des bonnes équipes. Donc on va passer directement au premier match. Donc voici l'équipe adverse contre qui tombe Douglas Costa avec un beau trio offensif, Entep, Martial et Shaqiri. Et voici l'équipe contre qui tombe Cuadrado avec une belle charnière centrale, Mathieu Godin. Donc à partir pour la première action du premier match, donc une feinte du coup du foulard, enchaîné avec des drive back, la frappe de Cuadrado s'est arrêtée par le gardien. Et là, Cuadrado fin de frappe, Cuadrado l'élastico, hop le scoop turn de Cuadrado. Qui rend à la surface le Ronaldo Firmino et la frappe du pied gauche est encore arrêtée par le gardien. Voici l'action avec Douglas Costa, double contact de Douglas Costa, le Ronaldo Firmino. Douglas Costa qui fait enchaîner avec un coup de l'arc-en-ciel et qui tire à côté. La feinte du coup du foulard de Costa, les drive back de Costa. Costa qui arrive, qui fait le Bolasi flick et qui marque un joli but. On est reparti donc avec l'équipe de Cuadrado qui est en difficulté par ce corner et Ruffier qui se trouve totalement. On est reparti avec Douglas Costa, la passe pour Mike Steven qui a vu dans la profondeur Bolasi au gardien et il gratte son coup du foulard. Avec Douglas Costa, le stop and turn de Douglas Costa, le drive back. Douglas Costa qui est en train de faire tout voir à la défense. Douglas Costa, la frappe est arrêtée par le gardien. Et c'est à mi-temps Douglas Costa qui permet à son équipe de mener 1-0. Et c'est à mi-temps aussi pour l'équipe de Cuadrado qui perd 1-0. On est reparti avec Douglas Costa qui remet encore la misère dans la défense. Douglas Costa qui arrive dans la surface, l'enroulé et s'est arrêté. C'est à tirer à côté. Cuadrado pour le coup franc. Cuadrado. Et c'est la parade du gardien aidé par son poteau avec un deuxième coup franc pour Cuadrado et celui-ci s'écrase sur la barre. Avec Cuadrado qui rentre dans la surface, c'est la 88e minute de jeu. Cuadrado, la passe pour Guarín et l'égalisation, la passe de Cuadrado.
Là, on est reparti avec Douglas Costa, la 89e minute. Douglas Costa avec le passement de jambe. Le centre du foulard, Mike Steven la tête. Et là, Douglas Costa qui a gagné 1-0. Et l'équipe, et voilà, les gars, il a une note de 8,9. L'équipe de Colorado, tandis, elle va aller en prolongation. Et voilà, avec Nani, voilà, le titre roulette, le reverse élastico, le drive back, et voilà, les gars, la finition de Nani. Et là, l'équipe de Colorado qui s'impose 2-1. Et Colorado a une note de 8,5. Donc dans ses premiers matchs, Douglas Costa qui a fait 0 passe D, 1 but. Colorado, une passe D, 0 but. Sachant que les buts sont plus importants que les passes D. Donc le Douglas Costa qui est pour l'instant devant. Donc l'équipe adverse du Colorado, c'est celle-ci avec du Zlatan et du Lacazette en pointe. Et du Thiago Silva et David Luiz en défense. Et l'équipe contre qui tombe Douglas Costa, Benatia, Ovedes. Et une belle attaque cheatée, Aubameyang, Hernandez. Donc voici la première action de ce match avec Cuadrado, les virgules, la frappe, et c'est arrêté par le gardien. Là, Thiago Silva qui va faire une grosse erreur, Van Persie la récupération, le coup du foulard raté, mais Van Persie en deux coups qui marque un but. Là, Cuadrado encore, qui fait un petit festival, le Ronaldo Firmino, la frappe de Cuadrado. Et c'est le son premier but dans ce match, ça fait déjà 2-0. Et la première action avec Douglas Costa. Donc la voici, Douglas Costa, le hocus pocus, la frappe de Douglas Costa, contrée par le défenseur. Mike Steven qui a vu Douglas Costa partir. Douglas Costa, le centre en coup du foulard, la reprise de 50, et ça fait 1-0 pour l'équipe de Douglas Costa. Là, on voit Cuadrado, la fin de frappe, et David Luiz qui le dévale, et ça fait un penalty pour Cuadrado, peut-être pour signer sont doublés dans ce match. Cuadrado qui va s'en tirer de ce penalty, s'emparer de ce penalty. Donc Cuadrado qui a ajusté le gardien et qui tire à gauche, et ça fait 3-0. Et c'est la mi-temps, Cuadrado qui permet à son équipe de mener 3-0 avec un doublé. Et l'équipe de Douglas Costa qui mène 1-0 grâce à cet homme 50. Et là on est reparti avec Douglas Costa qui rentre intérieur. Douglas Costa, c'est avec Mike Steven. La tonnade de Mike Steven s'est arrêtée par le gardien. Et c'est dégagé ensuite. Rafinha pour Douglas Costa, la frappe est contrée. Là, Rafinha qui joue avec Douglas Costa. Douglas Costa, le petit geste technique qui revient intérieur avec ses passements de jambes. Douglas Costa, intérieur. Le passement de jambes de Douglas Costa, la frappe du pied droit. Et ça fait 2-0. Pour l'équipe de Douglas Costa, son premier but dans ce match. Douglas Costa, le revoilà avec des passements de jambes, le Douglas Costa. Et après, il enchaîne avec l'arc-en-ciel, la frappe de Douglas Costa. C'est à côté. Donc Douglas Costa, encore une fois, la fin du coup du foulard, le Waka Waka, le Magetti Spin. Là, il rentre intérieur, la frappe du coup de Costa, et c'est arrêté. Donc voilà les gars, c'est la fin du match. Douglas Costa et son équipe qui mène, qui ont gagné le match 2-0 grâce à une passe D et un but. Donc c'est la même chose pour Cuadrado qui s'impose 3-0, une triste période parce qu'il n'y a eu aucune occasion. Donc en finale dans ce duel, les joueurs ne se sont pas départagés vu qu'ils ont fait exactement les mêmes stats. Cuadrado et Costa ont fait une passe D et deux buts. Donc les gars, c'était vraiment un duel très très serré et très équilibré entre deux joueurs à 5 étoiles. Donc je vous propose maintenant 3 nouveaux duels. Donc le duel 1, Nani face à Bolasie, le duel 2, Arroyo face à Kevin, et duel 3, Mahrez face à Sterling. C'est à vous de voter pour le duel 1, 2 ou 3. Bah, vous le mettez dans les commentaires, je compte sur vous pour savoir quel sera le nouveau duel dans le prochain épisode. Donc les gars, j'espère que cette nouvelle série vous plaît. Donc sinon, vous le dites dans les commentaires si elle vous plaît pas. Donc c'est pas grave, hein. C'est vraiment pour faire partager une série que j'avais fait l'année dernière et que j'aimais très bien.
Ok les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon Skype et mon Twitter sont dans la description. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.